Messieurs, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de la série Minecraft. Si tu n'as pas vu le tout premier épisode, je t'invite à le voir avant de regarder cette vidéo. Après, si tu es juste là pour te chiner, eh bien, grand bien te fasse. Quant à nous, eh bien on continue notre petite série. Alors, j'espère que vous êtes prêts à affronter ce qui nous attend. Alors il faut savoir qu'à ce moment précis, l'épisode 1 n'est toujours pas sorti, donc je n'ai pas eu vos retours en termes de. Volume, si le son était bien réglé, tout ça. Par contre, moi j'ai trouvé que le son de la musique était un petit peu fort, donc elle était à 20%, je l'ai mis à 12. Vous me direz si ça vous convient. Je pense que ça sera déjà plus audible pour vous. Alors donc là, vous rappeler un petit peu où on en était, eh bien on venait de trouver une énorme crevasse. Alors ça, je peux vous dire que c'est une des nouvelles grottes, en tout cas une des nouvelles générations de grottes qu'on peut trouver avec la 1.18. Et ouais. Et, ah ouais, ça c'est marrant, regardez. En fait, quand tu tiens une torche dans la main, eh bien en fait, ça éclaire. Oh, c'est trop stylé, de ouf. Oh, c'est incroyable ça. Je suis en train de bugger là, je me dis mais comment je vais tomber? Comment je vais descendre? Alors attends, on va y aller en mode. Attends, je suis à combien d'FPS? Ouais, je suis à 52 d'FPS. C'est pas ouf. Donc là, on va simplement, voilà, on va continuer notre escapade, et j'ai bien l'impression que ça va commencer à être un peu chaud. Alors là, on va vraiment faire un peu le rat, on va tout prendre, on va vraiment tout prendre, parce que sinon, ça commence un peu à faire, je vais pas dire peur, mais c'est inquiétant, sachant que je n'ai aucun stuff sur moi, hein, je n'ai rien du tout, rien de rien, et bon, on va voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. What? Ok, ça commence bien. Essaye de passer par là, mais je pense que ça venait de la droite. Allez, écoutez, on va essayer de se frayer un chemin comme ça. De toute façon, j'ai pas d'arc, donc je ne pourrais pas tenter quoi que ce soit à distance. Mais peut-être que si j'arrive à contourner par ici. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est déjà voir où je mets les pieds, parce que si tu veux, avec le shader, on voit vraiment rien. Et c'est un peu bizarre comme gros. Ah, y'a un creeper déjà là. Ok. Mais du coup, y'a de l'eau. Parce qu'il y a une. Y'a un poulpe juste ici. Ça, c'est sûr et certain. La question que je me pose aussi, c'est est-ce que je mettrais pas mon spawn ici? Temporairement. Donc, vous savez quoi?
exactement ce que je vais faire. Et je pense que même toi derrière l'écran, tu sais ce que je vais faire. Je vais créer une sorte de micro-base, mais un truc tout petit, avec un lit. Juste de quoi me protéger en cas de danger. Parce que là, enfin, j'ai rien comme stuff. Je peux pas me défendre comme il faudrait. Donc, ouais. Je vais vraiment faire un truc tout simple. Et ensuite, parce que dans l'idée, en fait, j'aimerais bien avoir. J'aimerais bien avoir. Une armure en fer assez rapidement. Sinon, autrement, ça va être compliqué cette histoire, je vous le dis. Et on met aussi évidemment un petit coffre. Je vais mettre un peu. Bon, les choses pas très intéressantes. En fait, du papier, ça peut être intéressant, ça, pour le coup, tu vois. Ouais, bon, après, j'ai beaucoup de choses très, très utiles. Hein. Ça, je vais le garder, parce que, pour le coup, ça me donnera... Enfin, ça donnera plus tard des choses intéressantes. Le copper... Alors, je suis pas un expert de la dernière version qui est sortie, mais je pense que ça ne donne pas lieu à des armures ou quoi. Vous me corrigerez... Vous me corrigerez à la limite, mais je pense pas que ça donne lieu à... d'armure. On va se faire des petites torches, évidemment, la base. Voilà, je pense qu'avec ça, on est déjà pas trop mal. Et je vais manger. Ouais, déjà, on va essayer de mettre un peu de nourriture au cas où. Là, je me fais tuer. Et on va, voilà, au cas où aussi, laisser ça. C'est la nuit, bah tu sais quoi, en fait je pense que je vais déjà dormir, comme ça si je me fais tuer, bah, je serai simplement... Bah au niveau de mon spawn, donc c'est pas trop grave. Voilà, au moins mon spawn est mis en place. Et voilà, on va dire que je peux... Oula. On va dire que je peux mourir sans trop stresser. En termes de texture avec le shader. Alors.
J'avais du charbon ici, ça c'est déjà bon à savoir. Essayer d'être assez safe. Franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de mobs. Là encore, ça va. J'ai pas été encore trop emmerdé. Oh, mais c'est gigantesque, hein. C'est énorme. J'ai l'impression. Là, on a du lapis-lazuli. D'accord. Pourquoi pas? Ça peut toujours être utile. Là, on va essayer de faire une petite plateforme assez safe. Un truc genre. Où je peux rester sans trop stresser. C'est des lianes, d'accord. Peut-être qu'on aura le droit à un biome. Un des nouveaux biomes. D'accord. Donc là, on a encore du cuir, n'est-ce pas? Ah, mais d'accord, en fait, là, on a un... Oui, je vois. Ce biome. Là on a un, ok je vois. Par contre c'est trop bizarre, les textures sont vraiment bizarres de ouf. C'est trop bizarre, attends. Pourquoi est-ce qu'on voit rien comme ça? Ouais bah voilà en fait c'est... C'est ce... Non, c'est même pas un biome, hein, ça, c'est une sorte de... Je sais même pas à quoi ça sert. De l'améthyste. Je sais que ça a une utilité, mais... Je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Bon, de toute façon, là, je pense que je vais juste...
Faire l'épée, bam, voilà. Déjà là, on est déjà un peu mieux si on doit se battre. Et en fait, ça va me permettre de choper du charbon, le charbon qui était juste là, c'est ça. Ouais. Il y en a même ici. Par contre, le cuivre, il y en a absolument partout. Hein. Je sais pas si c'est normal. J'ai quasiment pas joué pour dire ben, pour pas dire jamais d'ailleurs, c'est la première fois que j'y joue, donc je trouve qu'il y a quand même énormément de cuivre. Oula. Bon, en tout cas c'est déjà mieux. Aïe, j'essaie de vous rendre exploration agréable, parce que on voit pas grand chose, je vous avoue, avec le shaders. Après, vraiment, si vous trouvez que le shader ne rend pas excellemment bien, franchement, vous pouvez me le dire aussi, hein. À tout moment, à l'aide d'une seule touche, je peux enlever le shader, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? On a encore du cuivre. Bizarre ce biome, non? Ah non, mais c'est, ouais, c'est l'un des nouveaux biomes. Il y a toutes ces... Ouais, il y a des bugs. Hein. Et oui, ça c'est les fameux petits arbustes. Ça c'est quoi ça? Ah ouais, c'est de l'argile. D'accord. Écoutez, là, on a encore du lapis. Donc je vais pas dire non. Surtout qu'on en a pas mal. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il y a un axolote. Ça, je pense qu'on peut les manger. Ouais, c'est ça. On peut les manger. Hein. Ce sont des glowberries. On peut les manger. Ah, ça régène quand même 1, 2 points de vie. Moi, je pensais que ça régénérait 0,5. Donc, c'est très très bien. J'en profite pour.
c'est ridicule, ils sont coincés comme ça. Ça a l'air quand même d'être bien grand.
Je vois pas trop où je suis, hein. C'est un peu le problème. Hop. Donc là, bon là il y a des axolotes, ça marche. Là on a du lapis. Ce biome magnifique, c'est le mot. Oula, c'est trop bizarre, hein, les petits frises comme ça que j'ai. Faudrait que je me renseigne. Ensuite, bah, je vais commencer à me faire un petit plastron, je pense. Hein. Ça, c'est quand même la base. Et ouais, un petit casque. Un petit casque, déjà pour avoir un stuff un peu plus intéressant. Parce que là, autant te dire que ça risque d'être un peu compliqué. Parce que j'ai vu un spawner là-bas. Et j'aimerais bien le retrouver. Dans l'idée. Bam. Bam. Ok. Par contre, au niveau bouffe, je suis un peu mal. Je suis un peu mal. Bah, écoutez, je pense que je vais peut-être sortir vite. Ça c'est trop chiant comme truc. Putain, mais vous avez vu les dégâts? C'est parce qu'il avait une pelle en... Il avait... Ah l'enfoiré, il avait une pelle en fer. Du coup il m'a mis des grosses tatanes dans la tête. Mais vous savez que là si j'avais pas mis mon armure, je serais mort. Donc j'ai trop bien fait quoi. Ouah purée. Ça fait mal, hein.
Ça a brûlé. Hein. Bon, c'est un peu chiant cette histoire parce que du coup, moi j'ai pas de. On va prendre ça et on va aussi. Ah non, merde, il faut. Hein. Il faut une cisaille pour récupérer ça. C'est là. Par contre, enfin, c'est chiant qu'il n'y ait pas de cochon ou genre de. Enfin, c'est bizarre. What the fuck? Oh purée. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mascarade, comme si j'allais pas trouver de bouffe quoi. L'homme sans chance. Vous l'avez devant vous. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Bah écoutez, ah, oh purée. Sainte Marie. Oui. C'est la dèche, hein. Je suis obligé de. Merde. Voilà. Bon, en vrai ça va. Là du coup je suis un peu refait. Je suis un peu refait donc ça va. Je suis toujours là en mode, mais où est-ce que je suis? J'ai un sens de l'orientation qui est proche de zéro. Ça, je vais toujours garder sur moi. Alors c'est bien, du coup je parlais de pelle tout à l'heure, mais du coup j'en ai eu une. Bon, ça je vais tout balancer parce que clairement j'en aurais plus besoin. Ça je garde et ça je mets dans le stock, hein, bien sûr, je vais pas le garder. Voilà.
se séparer. Qu'est-ce qui grogne? Je ne sais pas. On va se séparer de tout ce vieux stuff. Donc tac, 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 tac. Hop, 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 et hop. Et voilà. Bah écoutez, je pense que là c'est bon. On a terminé pour l'épisode 2. Prochaine étape, on va continuer à explorer cette crevasse. Essayer de monopoliser et de prendre en charge le spawner qui se situe juste là. Et pourquoi pas explorer la deuxième crevasse qu'on a trouvée. Bref, plein de choses. Merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire votre petit retour habituel en commentaire. Si le volume vous va. Si le shader vous va. Et puis voilà. J'ai plus qu'à vous dire. À très vite, prenez bien soin de vous.